أشر إلى حفل توزيع جائزة الأمير عبد القادر للعيش المشترك، والتي أطلقتها مؤسسة البحر الأبيض المتوسط للتنمية المستدامة جنة العارف ومنظمة ماد 21، حيث تكرم شخصيات وطنية كدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي. وكما الآن تشاهدون جانب من الندوة الصحفية التي تعقد الآن بمستغانم للتعريف بهذه الجائزة. Et là, je crois qu'il faut une explication, parce que Mai 21, on m'a posé déjà la question plusieurs fois. Cela veut dire évidemment Méditerranée du 21e siècle. C'est un programme qui est formé d'un réseau de 12 prix pluridisciplinaires, dont évidemment le prix qui nous réunit aujourd'hui. Et quand mon ami le cheikh Khaled Ben Tounes et moi avions pensé à créer un prix dans ce cadre de Mai 21, donc qui est un réseau de prix pluridisciplinaires concernant la Méditerranée et au-delà, dans toutes les disciplines, nous avons retenu d'entrée de jeu un thème et une fille. Le thème, c'était bien entendu ce défi qui est posé à nous tous humains, et qui est le défi du vivre ensemble. Parce que effectivement, les tensions qui caractérisent notre monde contemporain, la montée des violences, des terrorismes, des exclusions, des migrations imposées et toutes ces données, impose maintenant que nous tous nous attaquions à ce thème, à ce défi majeur qui est devant nous, pour trouver les voies d'un vivre ensemble le plus harmonieux, le plus solidaire possible, ou pour construire les digues de l'esprit et du cœur contre ce torrent bourbeux qui menace toute l'humanité. Le thème ayant été choisi, tout de suite, une figure s'est imposée, celle de ce grand penseur spirituel. On oublie bien entendu, l'émir Abdelkader, c'est, disons, un visage multiforme. Il a plusieurs aspects. Sa personnalité est très riche. Il y a le patriote, il y a le résistant, mais il y a aussi le penseur. Le penseur, le maître de la spiritualité qui s'est mis dans la filiation d'Ibn Arabi, avec à côté duquel il a voulu être enterré. Et donc, nous avons pensé à l'émir Abdelkader comme porte-parole de cette recherche absolument étendue à toute l'humanité d'un vivre ensemble, en harmonie, d'une solidarité sans frontières et d'une fraternité sans âge. Et donc nous avons mêlé le thème et la figure, et c'est ainsi qu'a commencé notre aventure. Elle a commencé à l'UNESCO par une annonce, elle a continué ici même, dans cette salle, par la réunion constitutive du prix Émir Abdelkader en novembre 2015. Nous avons voulu la continuer également symboliquement sous l'arbre d'Ardara, à Gris, Mascara, là, et pour faire une nouvelle baïa. Une nouvelle baïa à l'émir. Et non pas sur des chevaux frémissants, comme nous venons de les voir dans ce haras magnifique, mais sur les ailes de la fraternité et de la filiation. Et cette nouvelle baïa, nous l'avons faite en signant le protocole d'accord qui a créé officiellement le prix Émir Abdelkader, et nous la terminons aujourd'hui, provisoirement bien entendu, par cette cérémonie qui va nous réunir avec vous et avec le nombreux publics que je vois s'amasser dehors, et saisir notre joie et notre fierté d'être ensemble avec vous pour porter témoignage
de cet impératif catégorique, comme on le dit, comme on dit, de la fraternité et de l'innocence.